Christ a fait pour moi, je ne saurais vous raconter. Ce que Christ a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Christ a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a guéri, il m'a rempli par son nom. Moi je vis pour lui, oh oui pour lui. Je vis en gloire à Dieu. Moi je vis pour lui, oh oui pour lui. Alléluia. Je vis en gloire à Dieu. Moi je crois en lui, oh oui en lui. Alléluia. Je crois. Psaume chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, merci. Tes yeux me voyaient. Amen. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, amen, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Chaque jour de ma vie, je veux dire, ô Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner tout mon apprends-moi. Je te prie à te donner tout mon cœur.
Ton nom soit béni encore ce matin. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu as daigné nous accorder, Père Saint-Dieu. C'est une grâce pour nous de pouvoir être parmi les vivants. C'est pour cela, en retour, nous voulons te dire merci parce que réellement, tu nous as accordé ce soutien, ce secours pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Et nous savons, comme tu l'as dit dans ta parole à toi, que les vivants, ce sont vraiment ceux-là qui te louent, Père. Aujourd'hui encore, de tout notre cœur, nous t'avons loué et nous te louons, nous t'exalterons encore, bien-aimé Père Saint-Dieu. Comme nous l'avons chanté aujourd'hui, chaque jour de notre vie, Seigneur, et chaque instant, Père Saint-Dieu, de ce que nous pouvons avoir, ce souffle sur la terre, nous te louerons davantage. Nous chanterons les chants des Sion pour toi. Nous t'exalterons, notre Dieu, parce que tu le mérites, mon sauveur. Tu mérites que mon cœur puisse t'aimer, Seigneur. Tu mérites pour que mon âme puisse te louer, Seigneur. Que tout mon être puisse t'exalter. Jésus-Christ, le Maître, mon roi, toi qui t'es assujetti toutes choses, mon bien-aimé Père. Merci parce que tu as fait quelque chose de tellement si merveilleux. Tu t'es donné toi-même pour que je sois libre, Père Saint-Dieu, pour que mon frère soit libre, mon roi, pour que ma soeur soit libre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es descendu, Père Saint-Dieu, pour que tu nous amènes dans le ciel, le lieu, Père du puissant, de ton trône de grâce. Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Tu as fait de nous sur cette terre un peuple mis à part, mais tout à fait particulier, mon roi, choisi par toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore, Père oh Dieu, pour le travail, l'œuvre que tu accomplis dans chacun de nous, Père Saint-Dieu. Certainement, Père Saint-Dieu, nous ne sommes pas ce que nous devons être, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais nous savons que tu as fait un travail. Si aujourd'hui je peux te louer, mais c'est parce que tu as fait un travail. Et ton travail est vrai, Seigneur oh Dieu. Il est aussi évident, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que les hommes sur la terre peuvent rendre témoignage, mon sauveur, qu'il y a un peuple tout à fait différent. C'est ce que nous sommes, Seigneur. Merci encore pour les chants et les cantiques. Merci pour les psaumes. Merci pour l'adoration. Merci vraiment pour ton Saint-Esprit. Merci aussi pour ton onction, Seigneur oh Dieu. Nous avons été bénis, Père Saint-Dieu, et nous le sommes encore maintenant, Père Dieu, au travers des chants et des cantiques. Oh Dieu, au travers de tout ce que ton peuple à toi peut exprimer encore ce soir, ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir rassemblé en ces lieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, amenant nos frères et sœurs de différents endroits, Père Tubis, en ville, Père Saint-Dieu, qui se sont déplacés pour que nous puissions avoir communion, Père. Que tu bénisses vraiment spécialement chacun d'eux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour les sacrifices, la licence consentie, pour les dépenses qu'ils ont eu à pouvoir, Père Tubis, en Dieu, faire, afin qu'ils puissent avoir la joie d'être avec nous encore. Aujourd'hui, Seigneur, tu n'oublies aucun des bienfaits, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple. Merci encore pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père Saint, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, mon roi. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni, qu'il soit exalté pour tout l'amour qu'il nous témoigne. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de vous tous et soyez le bienvenu. Et nous disons merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver aussi ensemble. Et ceux, nos bien-aimés frères et sœurs qui sont venus donc de loin et de près, que le Seigneur le bénisse. J'ai cru entendre la voix de notre frère Philippe. Que Dieu te bénisse. Je pense qu'il est là, c'est aussi notre sœur Lily aussi, qui doit être aussi là aussi, et la Marthe aussi, je pense. Hein. Que Dieu vous bénisse tous d'être venus, ma sœur et mon frère aussi. Je pense que nous avons notre sœur aussi déroubée, hein. avec toute sa famille. Que Dieu la bénisse richement aussi ce matin, et tous nos frères aussi qui sont venus aussi. Je crois que nous avons notre frère Junior aussi qui est venu
avec notre sœur, effectivement, et toute la famille également aussi. Et vous autres aussi, qui êtes venus de loin comme de près, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous soutienne. C'est toujours une joie, une grâce de pouvoir vous voir. Notre frère Daniel aussi, que Dieu te bénisse. Je crois que maintenant les Français, ça passe bien, hein. Que Dieu te bénisse. Alors je vois notre frère Eric, que Dieu te bénisse. En tout cas, ce frère, il est particulier. Hein. Oui, vous savez pourquoi? Parce que depuis le jour où sa femme a accouché, il n'a même pas tremblé. C'est parce que j'ai entendu les témoignages hier et ça m'a touché parce que les médecins étaient allés voir notre sœur Déborah Libandé pendant qu'elle était là-bas dans cette situation dans laquelle vous savez qui s'est passé avec elle. Et le médecin dit qu'en fait, qu'il lui avait dit, qu'en fait, c'est que, à cause de cette situation que tu as passée, parce que elle n'avait plus de plaquettes. Et le médecin dit, madame, vous allez quand même mourir, parce qu'il faut quand même parler un peu avec les autres. Mais dans votre situation, ça ne va pas aller. Et vous voyez aussi comment elle était aussi dans cette situation de douleur, effectivement. Et le médecin va lui dire cela. Alors, et lui, elle et son mari ont étonné le médecin parce qu'ils sont restés fermes dans la foi. Et mon frère Rick, il dit, mais moi, je ne voyais pas cela. Ce que le médecin disait, et même quand elle était dans les soins intensifs, son épouse, il dit que moi, je voyais simplement le Seigneur. Ce n'est pas ce qui était autour de nous que nous voyons. Alors c'est maintenant que le Seigneur a eu à pouvoir agir, étant pour elle, pour le bébé, parce qu'il disait, c'était soit vous qui allez passer, ou soit le bébé allait mourir. Mais ce qui m'a donné la joie, c'était que quand j'allais la voir, Déborah était toujours égale à elle-même. Je voyais mon frère Rick qui ne paniquait rien du tout, mais il était toujours là, confiant. J'ai dit, alors oui, j'ai entendu Amen là. Hier, elle m'a dit aussi, il dit, ah, la sœur Bambine nous a encouragés. Que Dieu te bénisse, mon ami. Les choses que vous posez à l'endroit des uns comme des autres, vous savez pas ce que ça rapporte en fait aussi. Et aujourd'hui, les médecins sont tellement étonnés. Ils disent, mais vous n'avez pas besoin d'un psychologue, un psychiatre. Ils disent, moi non. Et Dieu te bénisse. Il dit, ce n'est pas nécessaire. Il dit, mais comment vous pouvez avoir été ou supporté? Il dit, mais c'est à cause de Dieu. C'est la prière. Il dit, mais c'est pas possible. Et alors, effectivement, vous savez, quand le bébé est venu aussi au monde, alors on lui disait déjà, bon, écoutez, madame, il faut qu'on pense à une autre dame qui doit avoir du lait pour donner à votre bébé. Donc, effectivement, comme vous ne serez pas arrivé à pouvoir le faire. Alors, à peine elle a dit ça, de voir comment elle est toujours souriant, toujours, donc, avec son mari, content sur les seigneurs. Les lendemains, aujourd'hui, à l'hôpital, elle est la seule femme qui donne tellement du lait. On dit, mais madame, comment vous faites? Donc, le lait de notre sœur Déborah Libandé. Et dans les frigos là-bas, ils ont dit, mais on garde ça pendant 3 ans pour aider les autres femmes. Parce qu'il y a dit, oui, elle ne fait que pomper, elle ne fait que pomper. Il dit, madame, vous êtes tellement si petite et vous avez tellement du lait. Ça vient de là. Ah là 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 là. Et les bébés se portent bien. La maman se porte très bien. Sont venus du bas, Dieu les a montés en haut. Alors, je crois qu'on l'a surnommé la maman qui donne beaucoup de lait, c'est ça, hein? Voilà, dans l'hôpital. Donc, ça dit que maintenant, c'est resté donc une référence à l'hôpital, effectivement, où elle est. Donc, ils ont révolutionné l'endroit. C'est ça, la foi, en fait. Maintenant, les autres femmes, dont les bébés, ils ne savent pas donner du lait au bébé. Donc, on demande si on peut prendre le lait de Johanna pour distribuer, donner maintenant ainsi. Notre Dieu est bon. C'est pour ça que nous lui sommes vraiment reconnaissants. Nous servons un Dieu qui est vivant et qui agit aussi. Peu importe, certainement c'est vrai que comme la Bible le dit souvent, que toute chose concourt pour les biens de ceux qui aiment l'Éternel.
on a difficile, quand on a une épreuve assez douloureuse, effectivement, de pouvoir se remémorer cette parole de Dieu, parce que Dieu ne ment jamais. Aujourd'hui, elle est devenue une bénédiction pour toutes les autres femmes, alors qu'on l'a condamnée, on disait qu'elle allait mourir. Mais Dieu a permis qu'elle soit amenée là, parce qu'il y avait encore d'autres bébés qui allaient aussi avoir. C'est extraordinaire. Mais nous sommes pauvres, comme la Bible dit, mais nous enrichissons plus. C'est ça que nous devons nous réaliser en réalité, que Dieu nous a placés dans ce bas monde pour un but bien précis. Ça, c'est nécessaire aussi, effectivement aussi, que ça soit compris aussi dans vos foyers, dans tout ce que vous faites, avec vos enfants, avec tout ce qu'il y a autour de vous. Vous ne devez jamais oublier, parce que c'est toujours un problème avec ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle. On oublie facilement et rapidement la capacité de Dieu dans notre vie lorsque nous nous trouvons face à une adversité. Peu importe la taille. Souvent, il faut quand même qu'on puisse se souvenir, se rappeler beaucoup de choses dans les Saintes Écritures, parce que ces choses ont été donc écrites pour notre instruction. Vous savez que lorsque nous traversons et que nous passons par des moments difficiles, c'est toujours très difficile, humainement parlant, de pouvoir concilier cela, c'est-à-dire que mettre cela en rapport avec la parole de Dieu, parce qu'on a l'impression que nous, avec ce que nous vivons, avec la parole de Dieu, alors c'est un peu éloigné, c'est-à-dire qu'il y a cette distance qui se fait, et on s'est dit que bon, mon problème à moi, c'est peut-être pas un problème qui se voit dans la Bible. Mais non, ton problème se trouve dans la Bible. Parce que lorsque Dieu t'a placé dans ce monde, il n'a rien oublié. Non, mon frère. Absolument rien oublié. Alors la grâce et le privilège qu'il nous a aussi accordé, à vous et à moi aussi, c'est parce que il s'est fait connaître à nous, en fait. Et alors, lorsqu'il s'est fait connaître à nous, il est aussi devenu notre Dieu. Alors, pourquoi cela, effectivement? Parce que on doit se souvenir que comme il était le Dieu des autres, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont le Dieu est cette postérité-là, nous avons remarqué que comme il était leur Dieu, et qu'il a fait une alliance avec eux, quand je verrai le sang, donc avant de sortir de l'Égypte, quand je verrai le sang dont je vous ai fait sortir, parce que si il y a une alliance que j'ai faite avec vous. Donc on remarque effectivement que comme il a témoigné en fait aux yeux des Égyptiens que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le Dieu d'Israël, c'est-à-dire de sa postérité, il a marqué une différence pour que les nations comprennent qu'il est vraiment leur Dieu. C'est pour ça en Égypte, il faisait noir. À Goshen, il faisait jour. Il a voulu démontrer qu'on voit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Donc les Égyptiens ont eu un témoignage. Et pour sceller cela, il a dit, mais quand je verrai le sang, donc sur le linteau, que vous aussi vous puissiez accepter que moi je sois votre Dieu. C'est ça qu'il fallait qu'on mette le sang. On a mis le sang, effectivement. Les Égyptiens ont vu vraiment une très grande différence. Chez eux, c'était des larmes. Et dans un même pays. Hein. Mais on a fait une différence. Parce que là, ici, ce côté-ci habitait un peuple. Ce côté-là aussi habitait un peuple. Mais ce peuple qui habitait ce côté-ci, il avait un Dieu. Et c'est Dieu a démontré que ce peuple-là lui appartenait. Parce que ce peuple est entré dans cette alliance. Donc, quand ce peuple est sorti, on les a regardés comme étant des gens qui sont aussi normaux comme les autres. Mais ils n'étaient pas comme les autres, en fait. Parce que eux, ils avaient un Dieu. Et devant eux, effectivement, Dieu marchait et les conduisait en réalité. Donc vous pouvez remarquer que comme Dieu était avec eux, et il était leur Dieu, lorsque dans le chemin où ils allaient, le chemin du devoir, parce que ce n'est pas eux qui ont tracé le chemin,
C'est Dieu, effectivement, qui est venu parce que c'est lui-même qui avait fait donc la promesse. Et après 400 ans, je viendrai vous chercher. Et je vous ferai sortir. Je ferai donc sortir pour certains, pour le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Alors, Dieu s'est souvenu, c'est dans Genèse chapitre 6, Exode 6, Dieu s'est souvenu effectivement de son alliance, sa promesse effectivement avec Abraham. C'est pour ça qu'il est venu chercher la possession d'Abraham. Donc, Dieu avait un devoir à l'égard de ceux-là qui avaient cru donc en lui. Parce qu'il avait dit à Abraham, voici l'alliance faite avec Dieu, en sorte que je suis ton Dieu à toi, et je serai aussi le Dieu de ta postérité après toi. C'est important qu'on comprenne. Donc il avait bien spécifié que moi ici, j'ai fait l'entente, je suis ton Dieu maintenant. Et après toi, je serai toujours le Dieu de ta postérité après toi. C'est lui qui l'a voulu. C'est pour ça que le Dieu qui avait fait la promesse à Abraham, il est allé maintenant visiter la postérité d'Abraham pour leur faire comprendre que je suis ce Dieu-là. Qui avait fait la promesse à moi que je ferai une alliance avec vous. C'est pour ça que Moïse dit, mais c'est qui ce qui dit? Il dit, le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le je suis. Il est venu effectivement comme moi. Il avait fait la promesse. C'est ainsi qu'ils étaient sûrs et certains parce que ils savaient que vraiment nous faisons du surnaturel parce que notre mère Sarah, effectivement, si arrive, vous comprenez cela, elle était donc stérile et notre père Abraham aussi avancé en âge, impossible de pouvoir avoir une postérité. Alors il a fallu que ces dieux parlent à Abraham. D'un arbre sec, il a fait reverdir. Donc nous sommes issus du surnaturel. Nous connaissons que le Dieu de notre père Abraham, c'est un Dieu du surnaturel. Alors quand Moïse va maintenant, on attendait le surnaturel pour avoir l'assurance qu'effectivement que c'est ces dieux-là. Bien sûr que oui. Parce que l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance, en démonstration. C'est 100% vrai. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mais va voir donc les anciens, lisez bien ces écritures-là, montre-leur les signes. Il a montré d'abord, mets ta main, fais sortir, vois les bâtons, fais cela, effectivement, dit, va leur montrer que le Dieu de vos pères, il m'a visité, voici donc les signes qu'il est toujours le même. C'est quand ils ont entendu qu'ils ont vu les signes, ils étaient sûrs et certains de que c'est ces dieux-là. Il a fait la promesse, notre Dieu, il s'est souvenu de nous. Voici les temps pour nous, pour la liberté en réalité. Donc ils sont sortis en ayant conscience que Dieu, le Dieu de leur père, les a donc visités. Ainsi donc, quand ils sont donc sortis, et vous pouvez réaliser, remarquer que les choses n'étaient pas du tout faciles. C'est quand Dieu est avec vous que les démons se déchaînent. En fait. Sur le chemin que Dieu vous a placé, le diable fera tous ses efforts pour vous mettre effectivement aussi des embûches. Effectivement. Il va vous combattre pour pouvoir vous décourager en fait, de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir l'assurance effectivement. Et c'est surtout qu'effectivement que Dieu est vraiment avec vous. Oui, bien sûr, c'est comme ça que quand on a les épreuves, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Malgré que cela était ainsi, Dieu ne les avait jamais quittés. La Bible nous fait savoir que de jour, ils marchaient au-devant d'eux sous la forme de colonnes de nuée. Que quand même il y a des difficultés, que le peuple lève simplement les yeux vers le haut et qu'il réalise qu'effectivement que c'est Dieu qui nous a fait sortir, il ne nous a pas abandonnés. Ni les jours, ni la nuit. Parce que la nuit, il était sous la forme de colonnes de feu. J'espère que vous écoutez.
car ils étaient sûrs et certains qu'il était là comme étant les gardiens de leur âme. Pour le préserver. Ils savaient que ce serait un combat. Déjà, là où ils étaient, c'était un combat. En Égypte, ils ne vivaient pas très bien, c'était le combat. Mais là, il est venu le faire sortir maintenant pour dire, c'est moi qui vous garde. Le matin, la nuit même, quand vous dormez, je veille sur vous. C'est pour ça qu'on dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde. Donc que ton sommeil soit paisible. S'ils forment le complot, cela ne viendra pas de moi. Moi, je veille sur ton âme. C'est ainsi que je te dis, sois tranquille. Sois tranquille. Toute âme forgée contre toi. Même dans les ténèbres à gauche et à droite. Nous celui qui va te chercher dans le monde des ténèbres, il ne va pas te trouver. Parce que je veille sur ton âme. Sois-en sûr, mon frère et ma soeur. Que ton cœur ne soit pas troublé. Que ce cœur ait toujours l'assurance qu'effectivement que c'est lui qui t'a fait sortir. C'est la vérité. Il veille sur toi. C'est pour ça que lorsqu'ils ont commencé à pouvoir avancer, et souvent ce qui est important aussi que nous puissions comprendre, effectivement, frère et soeur, c'est que nous ne devons jamais marcher avec Dieu avec notre logique ou notre intellect. Parce que ça va nous créer beaucoup de problèmes. Parce que l'orientation, la conduite de Dieu ne sera jamais en fonction de nos attentes, ni en fonction de notre logique, où il va faire comme ça, vous vous trompez en fait. Parce qu'il est dit dans l'Ésaïe, chapitre 55, il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos... Voilà. Vous pensez que vous pouvez le contrôler ou lui indiquer effectivement les choses qu'il a peut-être oubliées ou qu'il ne voit pas tellement très bien, que vous avez des yeux pour voir la chose, pour lui montrer. Mais en fait, ce que vos yeux voient vous crée des problèmes. La Bible dit que celui qui a créé l'œil ne peut-il pas voir? Donc tu n'as pas à dire au Seigneur, « Seigneur, tu vois ce qu'il fait, moi je vois. » Tu n'as pas besoin. Non, parce que ce que ton nez à toi peut voir peut te tromper aussi. Mais c'est lui qui a créé l'œil là. Tu penses vraiment que et toi tu vois mieux que lui parce que c'est lui qui est l'auteur de cet œil là. Donc il voit très bien. Donc tu n'as pas à lui montrer la chose. Seigneur, je veux seulement ça. Maintenant tu n'as pas à lui montrer. Parce que lui il connaît, il voit. Il connaît même la meilleure chose plus que toi. Toi tu penses que c'est meilleur, mais lui il connaît ce qu'il veut dire meilleur. C'est ça notre problème, mon frère et ma soeur. Nous pensons que nous pouvons apporter beaucoup à Dieu. Nous pensons que quand ce que nous faisons, ça va suffire à Dieu. Mais en fait, frère et soeur, la manière dont Dieu apprécie les choses n'est pas vraiment exactement comme toi tu apprécies les choses. Tu dis, Seigneur, je t'ai prié beaucoup, je sais que tu seras satisfait. En fait, tu n'as pas trop prié comme Dieu voulait. Parce que j'ai prié, parce que j'ai dit beaucoup, Seigneur, je sais que je te suis agréable. Non, ce n'est pas à toi de doser, de juger. L'important dit, Seigneur, aide-moi seulement, je veux faire comme toi tu veux. C'est pour ça que même quand on était sur la télé, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, que ta volonté soit faite. Nous, on se trompe beaucoup, frères et sœurs. On s'est satisfait de peu comme ça, disant, ah, Dieu est content. Parce que j'ai prié, j'ai gêné, j'ai chanté, ah, Dieu est content. Enfin, qui te dit que Dieu est content? Parce que ça, c'est ta base à toi. Ton appréciation à toi, comme cela dit, j'ai fait, peut-être, vous savez que, dans l'Ésaïe, je pense, chapitre 2, chapitre 3, il dit, mais j'ai aimé vos cantiques. Je déteste vos fêtes, vos nouvelles lunes, effectivement. Il est dit.
Mais les gens le faisaient. Souvenez-vous, présent, je me souviens, je pense que c'est dans le livre de Samuel, quelque part, avec, je pense que c'est avec David, lorsqu'il a, on a pris effectivement aussi l'arche, on l'a mis sur le char. Tout le monde était content! Disant que Dieu est content, il est vraiment. Et il observait, il ne disait rien. Je l'aime beaucoup. Hein. Amen. Il ne disait rien. Tout le monde là avec le tambour. Il est content. Et bien, parce que l'arche est venue. Mais c'est que l'arche est venue. Voilà le problème. Il dit, mais parce que nous ne l'avons pas cherché selon sa parole. C'est après maintenant que David a compris qu'il a avoué. Nous avons cherché selon quoi? Sur nos émotions. Et nous disons, on est content, et ça va, entre Dieu et heureux, Dieu, ça, selon votre conception. Pas la conception de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut toujours des sentiments d'humilité. Et ça, que Dieu te bénisse. Et ça, frères et sœurs, je sais pas comment il va pouvoir, mais je vous l'ai dit, si vous êtes un fils de Dieu, il faut prier. Il faut que l'humilité soit vraiment profonde. Quand tu te prends que j'ai fait, Seigneur. Ah, c'est cela. Ce que tu n'as rien fait. C'est pour ça que vous voyez dans les scènes d'écriture, tous ceux qui l'ont dit, et puis tu dis, mais Seigneur, c'est pas ta grâce à toi que nous avons fait. Si j'ai apporté, c'est pas ta grâce. Si j'ai fait, c'est pas ta grâce. Mais dis, non, mais j'ai fini. C'est toujours pas ta grâce. Toi qui l'as fait pour nous. Que pourrais-je te donner? C'est vrai, non? Si j'arrive à pouvoir te prier, c'est toujours par ta grâce. Si j'arrive à pouvoir t'aimer, Seigneur. C'est parce qu'on oublie beaucoup, en fait. On pense que... C'est pour ça qu'on a parlé de la grâce. Ce que Dieu fait à nous pour que nous puissions... Ah non, il est bon. Nous puissions trouver grâce à ses yeux. Parce que sans si on n'arrive pas à comprendre cela, comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre aussi, il y a un point de victoire. Parce qu'il a fait toujours un tout petit peu. Il dit, j'ai fait. Ah, puis, tu vois, en tout cas, j'ai fait. Dieu, là, je suis content, effectivement. En fait, tu dis à Dieu, mais vraiment, Seigneur, tu as perdu ton temps. Écoutez-moi d'abord, tu as perdu ton temps. Pourquoi il voulait dire, mais c'est parce que tu es venu mourir pour rien. Parce que moi, j'ai la capacité de pouvoir faire ce qui est meilleur, ce que tu attends de maintenant. J'avais la capacité de faire tout ce qui était bien. En fait, c'est un peu cette manière-là que vous ne vous rendez pas compte, en fait. Quand vous dites que moi, je sais, j'ai fait, je connais le canard, par moi, j'ai fait. Alors vous dites qu'effectivement, ça vous dit à Dieu, en tout cas, Dieu, il n'était même pas nécessaire que tu viennes mourir et souffrir comme ça parce que moi, je suis capable. Vous voyez un peu dans la vision de Dieu comment ça peut se voir. Ou toi, tu dis à moi, je n'ai pas que je viens à ça. Mais si, même pour venir jusqu'ici, c'est une grâce. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup qui désireraient entrer ici, mais c'est l'heure de fermer. Vous dites à un frère, oui, mon frère. Et on se dit, mais c'est tellement bien, mais viens, il n'arrive pas à pouvoir rentrer. Oh oui, j'aime tellement, c'est bon là-bas. Il peut tout vraiment, il peut tout dire de bien, mais viens, entre. Il n'arrive pas à franchir la porte. Vous entendez? Vous ne réalisez pas, mon frère et ma soeur, tout est grâce. Amen. C'est pour ça que les 24, ils jettent le courrier qui s'incline, effectivement. Saint, parce qu'ils reconnaissent que nous n'avons pas de mérite. Hein? Oui, mon frère, il n'y en a pas. C'est pour ça que quand on ne comprend pas effectivement cela, on ne sait pas lui rendre gloire et honneur comme il faut. Vous vous souvenez quand même psaume 8, non?
Éternel notre Seigneur, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Cet homme n'était pas un hypocrite, il était sincère. Nous, on le répète comme une formule, effectivement. Mais non, lui, il y a vécu, il dit, mais quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et les fils de l'homme, pour que tu prennes tellement garde à lui. Frères et sœurs, nous avons beaucoup à apprendre du Seigneur. Et cela chaque jour. Pourquoi cela? Parce qu'il veut davantage nous épurer de plus en plus pour que lui puisse se remplir véritablement en nous, en fait. Sanctifie-les par. Eh bien, c'est cela. Parole est la vérité. Elle produit le respect, la crainte nouée dans le cœur des élus, en fait. On ne peut plus servir Dieu avec des involtures ou même peut les servir comme si on était président de l'agence absolument rien. Non, il y a quelque chose qui doit se travailler dans l'intérieur de votre intérieur. Il fait que Dieu ne reçoit l'adoration, la louange, effectivement, qui ne vient que de lui-même. Vous avez remarqué quand même, non? Dans le psaume, je crois, 82. Hein? Mais c'est ça, c'est écrit quelque part là, je pense. 82 ou 83, je pense. Hein? Voilà. Ah. 82. Psaume 82. Et verset 1, il dit. Vous entendez cela? C'est quand même particulier, hein? Il est bien écrit ici. Dieu se tient où? Extraordinaire, hein? Dieu qui se tient dans l'assemblée des dieux. Oh, oui. Et puis écoutez, il juge au milieu de. Voilà. Donc c'est sa propre nature, mon frère. Parce que ce que Dieu agrée, ce n'est que ce qui est à lui. L'adoration, c'est l'adoration de lui, par lui, bien sûr que oui. Voilà pourquoi, effectivement, parce qu'il faut qu'il y ait ce nettoyage, mais vraiment complet. Voyez, si l'Écriture nous fait savoir qu'il faut une sanctification. Il nous faut savoir par quels moyens Dieu pourvu qu'il y ait une sanctification. C'est merveilleux de voir comment Dieu a travaillé en fait que cette sanctification soit toujours maintenue. Il est dit, je vous avais posé la question la fois passée, est-ce que quelqu'un qui est saint peut-il encore être encore, s'y ramener encore à ma sanctification? Vous m'avez répondu. Vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Quand quelqu'un a été sanctifié, va être encore être jugé encore pour être ressanctifié encore? Vous êtes sûr? Donc, quand quelqu'un est saint, il est saint. Il nous a dit, vous serez saints dans toute votre conduite. C'est ce qu'il a dit. Parce que la Bible nous dit, pour que nous puissions être sur cette ligne, car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont donc sanctifiés. Et il me dit, sanctifie-les donc par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc la vérité nous maintient toujours dans la sanctification. Amen.
Bien sûr. C'est pour ça que tous ceux qui ont été sanctifiés ne veulent pas la souillure. Ils veulent la parole de la vérité qui le maintient toujours dans l'art. Bien sûr que oui. C'est ça le problème, effectivement, que quand vous vous respectez contre la parole, vous montrez qu'effectivement qu'il y a un problème quelque part de la sanctification. Nous l'avons entendu aussi, hein, que sans la sanctification, nul ne peut donc voir, bien sûr que personne. Donc. Pour que toi et moi nous puissions nous tenir dans sa présence, saint, saint, saint et l'Éternel, notre Dieu. Parce que dans la sainteté, il n'y a pas d'hypocrisie. Dans la sainteté, il n'y a pas de ténèbres. Dans la sainteté, il n'y a pas de double. Dans la sainteté, il n'y a pas de richesse, de victoire, de gloire. Il n'y a pas tout ça. Non, 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 non. C'est pour ça qu'il faut un combat, un travail dans chacun. Puisque c'est lui qui nous a appelés. Il est vraiment saint. Alors nous aussi, nous devons être saints. Nous courons après cela. C'est pourquoi nous ne combattons pas contre la parole de Dieu, en fait. Vous devez savoir que nous devons savoir que la parole de Dieu ne correspondra jamais à nos désirs, ni même à nos attentes. Ça, c'est une chose qui est vraie. Elle ne correspondra jamais à cela. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Et puis, la parole de Dieu a la pensée de Dieu. Ça va, non? Elle dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Lorsque moi, je pense, quand ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures, la parole vient. Ben, elle est comme ça, la parole. Elle est pénétrante, tranchante, qui sépare jointure et poil. Discerne les pensées, les secrets de cœur, effectivement. C'est ce qui est écrit dans les livres des Hébreux, chapitre 4. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime pas, mon frère et ma sœur, la parole de Dieu, parce qu'elle vient, elle perce effectivement l'intérieur, elle met à nu tout ce que toi tu pensais. Alors tu dis, oh, mais on a parlé à quelqu'un pour ça. Non, non, non. On ne parle pas à quelqu'un, c'est elle-même la parole qui sonde les reins et le cœur. Nul n'est caché devant elle. Amen. C'est pour ça que souvent on dit, ah, mais j'ai entendu, on a parlé de moi, on a pensé, c'est normal, si on a parlé de toi, c'est la parole qui a parlé de toi. Ah, mais on a épaté au frère, non, on n'a pas parlé au frère, mais c'est la parole elle-même qui te sonde parce que tu veux que Dieu te nettoie. Tu veux que Dieu travaille, fait ton travail. Eh bien... Il te met aussi à nu, effectivement, aussi là-dedans. Mais quand tu es la sémence prédestinée, alors là, tu viens à la lumière. Parce que la parole de Dieu est une lumière. Hein? Seulement ceux qui sont prédestinés à la lumière, ils viennent donc à la lumière. Parce qu'on nous a dit dans les Saintes Écritures, Ésaïe 61, « Lève-toi, sois éclairé, car la lumière de tout arrive nous. » ta lumière à toi arrive. C'est comme ça, effectivement. C'est comme ça que nous pouvons comprendre quand nous venons dans la réunion, nous nous tenons, effectivement, aussi. Nous devons être dans une position telle que nous le laissons pour que nous soyons jugés. Mm-hmm. C'est le moment où le jugement commence dans la maison des dieux. Pour ne pas être jugé de l'autre côté. Amen, amen. Si tu es jugé ici, alors que tu vois effectivement ton état. Parce que vous savez, c'est une grâce de Dieu que nous soyons jugés par la parole. Amen. Parce que la Bible dit qu'après la mort vient donc le jugement. Là, il n'y a pas de pouvoir. Maintenant, tu es sauvé. Il n'y a plus de salut de l'autre côté. Le salut est ici. Parce qu'une fois que tu es déjà mort, c'est terminé en fait. De l'autre côté, c'est le jugement. C'est important, ma soeur. Très important.
lorsque la mort te frappe, effectivement, dans la condition que tu es quand tu meurs, de l'autre côté, tu te trouveras comme cela. Et puis, parfois, vous pensez que lorsqu'on est de l'autre côté là-bas, on a l'amnésie. Ah, puisque comme il y a des gens qui disent, quand je meurs, qu'on m'incinère, il n'y a plus rien qui reste. Non, monsieur, on ne peut pas incinérer l'esprit. Parce que tu ne touches pas. Ce que tu touches, c'est ça. De toute façon, c'est si il va à la terre, que tu le brûles, il va toujours à la terre. Mais là, l'âme qui est à l'intérieur, l'esprit qui est à l'intérieur de mes frères, tu ne peux pas le brûler. Tu peux chauffer comme tu veux, mais à quelle température tu vas le chauffer? Parce qu'avec le feu de l'âme, ce n'est pas ici. Mais là, ce qu'il y a, parce que cette âme-là, s'il n'est pas sauvé, il est réservé pour le feu là-bas. Ce feu-là, il est spécial. Là, parce que ton esprit, attends, comme je dis toujours, regardez, vous me regardez bien, dit, mais vous voyez simplement la bouche qui va, mais c'est pas la chair qui parle, mais c'est l'esprit qui parle. Amen. Donc là, la conscience, il a aussi ses sens, mon frère. Quand il part de l'autre côté, il reste le même. Vous n'avez pas remarqué que dans le Sainte Écriture, le Seigneur a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et puis d'ajouter un esprit nouveau. Voilà le problème. Vous ne saisissez pas cela. Aussi longtemps que votre esprit là reste toujours le même, c'est un esprit qui n'a pas été racheté. C'est pour ça, comme vous voyez, comme la Bible est faite, comme la fait de mort, vous pouvez être loin, vous pouvez être là-bas, on voit tout ça, mais ce que vous posez comme acte termine que votre âme est toujours une âme sauvage, malgré tout ce que vous pouvez arriver à pouvoir. C'est ça le problème, en fait. La chose, c'est que on puisse, c'est surtout votre âme, en réalité. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc, en fait, c'est que vous pouvez bien être loin, très bien, et faire beaucoup de choses très bien. Mais les actes que vous posez, en fait, c'est qu'on dit que chaque semence produira selon son espèce. C'est votre intérieur, en fait. Quand vous êtes Dieu prédestiné, et toujours il y a pouvoir le dire, il est impossible que vous combattiez la parole de Dieu et même que vous doutiez de la parole. Il peut être difficile. La preuve, ce que Dieu nous a donné, la preuve dans les Saintes Écritures. Job est passé par le feu dans ta... L'expression naturelle, effectivement, aussi. Donc, jamais Job a eu à pouvoir maudire Dieu. Et même dire que la parole de Dieu n'est plus efficace, effectivement. Non. Il avait toujours confiance en ses dieux. C'est pour ça qu'on nous a donné ces témoignages dans les Saintes Écritures, pour qu'on voit comment est-ce qu'un élu, dans sa marche, effectivement, dans les combats, les épreuves, effectivement, qu'il peut avoir. Même si on l'amène dans le point le plus difficile et plus bas même, l'élu craint l'Écriture. Il reste confiant. C'est pour ça que vous avez entendu, nous avons cité encore cela, il dit, sache au roi que notre Dieu est capable, même si nous avons confiance, qu'il est capable de nous délivrer de ta fournaise ardente. Ils n'ont pas craqué comme Dieu demande, ils craquent effectivement, non. Nous, parce que, en tant qu'élu, on doit t'amener jusqu'au bout. Pour qu'on prouve qu'effectivement que tu l'es. Il faut que ton intérieur à toi, frère et soeur, ne soyez pas comme si, ah, parce que j'ai fait ça. Non. Il faut continuer à vous traiter durement pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans de vous. Parce que si la chose n'y est pas, il faut pleurer devant Dieu. Nous avons encore le temps, mon frère et ma soeur. Ésaïe, chapitre 55, verset 6, nous pouvons le lire. Regardez très bien ce qu'il nous dit. Voilà. Il nous dit,
Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Ah, c'est une invitation et nous l'avons déjà lue, mais c'est important que nous puissions vraiment saisir, mon frère et ma sœur. On nous dit que, et qu'il faut le chercher parce que ce n'est pas une formule, c'est vraiment une invitation, une exhortation, un conseil. Il faut le chercher, lui, pas quelqu'un d'autre, pas autre chose. Mais le chercher pendant qu'il se trouve. Parce que lui, là, il est votre garantie dans tout. Oui. Dans votre vie sur la terre, il est votre garantie. Quand vous quitterez la terre, il sera toujours votre garantie. Il a dit, hein, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si il est votre portion et votre appui à vous et votre compagnon de tout temps sur la terre, c'est que vous devez être heureux en fait. Parce que lui-même qui est ton sauveur, c'est lui-même qui sera aussi le juge suprême. Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ce que vous savez, s'il nous dit cela, que pendant qu'il se trouve, ce qu'à un certain moment, vous allez chercher, vous n'allez pas le trouver. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre son temps dans des vaines redites, dans des formules inutiles ou dans les prestations qui ne servent à rien. Parce que si je dois faire quelque chose, il faut que je puisse être sûr et certain qu'il est dedans. Parce que, comme l'apôtre Paul a dit, je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, pour autant que vous reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est toujours la foi, hein, vous aurez cru en vain. Parce qu'il n'est pas dedans dans ce que vous croyez. Et que tout ce que tu es en train de pouvoir faire est en vain. Vous vous rendez compte, mon frère, que sur cette terre, j'ai dit, je vais m'accrocher à un Dieu alors que je m'accroche vraiment à du vide. Je fais tous les efforts, même mal faits. Les mondains et les païens, les prostituées, tout ce qu'on peut énumérer là, effectivement, ils ne seront pas surpris. En fait. Mais ce sont ceux qui se disent de croyants, mon frère, qui seront donc surpris. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, je ne savais pas ceci. Je voulais toujours que Dieu te bénisse. Je voulais toujours dire en cet endroit, en répétant, j'ai dit, Dieu est tellement bon, il est tellement sage. Est-ce que vous me suivez très bien? S'il vous plaît, toujours un peu votre attention ici. Dieu est tellement bon, il est juste, il est tellement merveilleux et tellement glorieux, droit. Il a un cœur merveilleux. Oui, mon frère et ma sœur. Il nous a dit, quand on lui a posé la question, mais quand ça l'a fait, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous me suivez très bien? Pour servir de témoignage
C'est-à-dire que même toi, mon Dieu, même toi, madame, même toi, frère, soit qui a reçu des faux enseignements, des fausses doctrines, tu vas avoir l'occasion d'entendre la pure parole, la vérité de Dieu. Et c'est à toi de faire le choix. Sûr et certain. Voilà. C'est pour ça que la Bible nous fait savoir dans 2 Timothée chapitre 4. Il dit, il viendra un temps, vous suivez très bien, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce qui dit que c'est la réalité prêchée, mon frère et ma soeur. À chacun de oui, bien sûr. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui sont agréables. Vous comprenez bien? À leur intelligence, à leurs émotions, à leur pensée, à leur esprit. C'est important que vous compreniez cela, frère et soeur. Et on peut nous dire, ils se donneront une foule de docteurs. C'est pas que Dieu leur a donné. C'est que Dieu a donné, ils le refusent. Ils vont se donner eux-mêmes. Ils vont se doter eux-mêmes. Une foule de docteurs. Et c'est tourneront l'oreille de la vérité. Donc eux-mêmes, ils vont refuser de pouvoir. C'est ce qui se passe en fait. Vous avez tellement beaucoup de docteurs. Et vous-même, vous êtes docteur de vous-même. C'est ça le grand problème avec le frère et sœur. Quand, par exemple, je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre, le pasteur, parce que de toute façon, dans l'œuvre de Dieu, il doit toujours y avoir une tête. Jamais deux, jamais trois, jamais un et demi. Toujours une seule tête. Et quand on vous dit que, vous posez une question, on vous dit que c'est comme cela qu'il faut faire. Et vous partez bien, vous dites, en tout cas, moi je pense que c'est pas correct, c'est pas ceci, je pense comme c'est comme ça. Donc, vous pensez, mais vous avez demandé. On vous a dit, en fait, ce qu'il faut faire. Et vous pensez, et souvent, le grand problème, c'est ceci, en fait. Ah, c'est ça la grosse erreur que beaucoup de frères et de sœurs commettent. Donc, Dieu me conduit aussi. On n'a jamais refusé que Dieu vous conduise. Mais le Saint-Esprit qui conduit quand même, c'est un Dieu d'ordre. C'est lui quand même qui a placé les uns comme si c'est donc s'il a placé, il sait quand même s'il t'a dit quelque chose, et que c'est lui qui l'a placé, t'a dit, c'est que tu as l'Esprit de Dieu, il va te conduire à dire ce que lui il a dit. C'est la chose que je dois apprendre. 100% vrai. Parce que un élu a quelque chose de tellement. Dieu parlait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et où l'on n'y prend point garde à cela. Le grand problème, c'est l'orgueil de l'homme. Et il croit. En fait, c'est parce que ce qui se passe, c'est quoi? Je veux être indépendant. Je sens que Dieu me dit, je sens et c'est ce que je dois faire. Parce que je sens aussi que Dieu me conduit. C'est la catastrophe, en fait, l'erreur dans beaucoup. Parce que quand on se dirige effectivement dans ce que vous avez suggéré, à la fin, vous voyez que vous êtes tellement coincé. Et vous êtes quand même obligé de pouvoir venir vous dire, je comprends quand même que vraiment, vous savez, c'est parce qu'en fait, Dieu est avec. Parce qu'on nous dit, même si vous avez, comme dit, quoi que ce soit, effectivement aussi, il dit Dieu, on dit, l'esprit des prophètes est soumis au. Vous avez compris ce que ça veut dire, non? Et pour tout cela. Parce que ce que Dieu cherche au-dedans de chacun de nous, ce que Dieu domine,
Nous ne sommes pas des indépendants. Non, nous ne sommes pas des indépendants. On est soumis les uns aux autres, mais que tous ensemble, nous sommes soumis au grand Je suis. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Donc, quand on se réfère au règne, on se réfère au royaume. Donc, il est le roi, non? Donc, dans un royaume, il n'y a pas d'indépendance. Comme si c'était des partis politiques. Il dit, moi, je suis ceci, nous sommes des partis, on donne des idées. Pour pouvoir mener la politique, on va faire ceci pour mener tout cela. Mais dans le royaume de notre Père, il n'y a pas de politiciens. Dans le royaume de notre Père, effectivement, c'est lui qui domine. Et lorsqu'il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle-là existe, effectivement. Oui! Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'il va arriver un moment où il ne va pas être trouvé encore. Et c'est vrai, frères et sœurs. Vous savez, on peut se dire effectivement que oui, ça sera toujours quand même, on va prier, ça va, le Seigneur va entendre effectivement aussi. Mais vous voyez tout ce que les Saintes Écritures nous disent, effectivement, comme nous venons de lire dans Ésaïe, il y a toujours eu des témoignages dans les Saintes Écritures pour nous montrer que cela est vrai. Parce que plus bas, on nous dit, qu'il est méchant, abandonne donc. Que Dieu soit béni. Puis on a ajouté, l'homme d'iniquité. Ah, voilà. Les pensées, toujours. C'est ce qui fait l'homme, hein. Il est toujours là, en train de pouvoir penser, même quand vous êtes de vous ne parlez même pas les pensées. Même s'il dit rien, il est pensé. Et ce qu'il oublie, ce que nous oublions, c'est que nos pensées-là, Dieu les entend. Nous l'avons, notre pasteur, il a lu un psaume. Hein. Vous vous souvenez encore? Nous pouvons te lire peut-être le verset suivant. Donc, 139, le psaume 139. Cela, le 139. Psaume, le 139. Voilà. Il nous a dit cela, voilà. Verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Clair, hein? Il a, lui, voit bien, c'est un fils de Dieu. Il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Donc, partout où je vais. J'ai conscience, mon sauveur, que en tout cas, toi, rien ne t'échappe. Tu pénètres de loin, ma. Quand tu es là tout seul, entre dis-moi, je pense, je suis notre. Quand tu penses, de frère, de la soeur, comme ça, Dieu est en train de pouvoir t'entendre. Il dit, tu pénètres de loin ma pensée. Et puis il dit, tu sais quand je marche et que quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes voix sont élevées de vos cieux. Ésaïe 55, vous savez, non? Il est conscient, il dit, tu pénètres toutes mes voix. Avant même que je m'engage, tu sais ce que je vais faire. Il dit, car la parole n'est pas sur ma langue. Je n'ai même pas encore exprimé. Que déjà, ô Éternel, tu la connais. Un tout petit peu? Non! Avant que tu dises quelque chose, t'as oublié, donc c'est dit, ce sont tes pensées. Il est connant, il contrôle tout, mon frère. Nous devons du respect. Tu la connais entièrement. C'est-à-dire que ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne te crois pas toi-même sage. Quand tu regardes, tu juges toujours les autres. Je juge les autres. Mais en fait, tu es en train de juger les autres. Le même jugement que tu apportes là, sera aussi le même. C'est vraiment important, mon frère et ma soeur,
C'est comme ça qu'on peut se maintenir dans la victoire quand on garde effectivement nos pensées, ce que nous sommes. Vous vous souvenez, qui est nul en son cœur, ne pense de mal contre son prochain. Mais dites toujours la vérité, chacun de vous. Que la charité soit exempte de l'hypocrisie. Vous comprenez cela? C'est pour simplement son peuple. Arriver à ce point-là, effectivement, aussi. En fait, c'est ce que Dieu, notre Seigneur, veut que nous puissions vraiment être saints. Saints et nous purifier. Bien sûr que oui. Cela aussi. Il dit que l'homme d'iniquité, ses pensées. Il faut arrêter de pouvoir te plaire à toi-même et surtout te plaindre sur tout. Hein, Dieu n'a rien fait et je ne vois pas de changement dans ma propre vie. Je ne vois pas. Ça dépend de quel côté que tu attends le changement. Ça dépend de quelle manière tu cherches à pouvoir voir ces changements dans ta propre vie. Parce que si tu connais, les problèmes, c'est toujours notre bouche. Elle dit beaucoup de choses. Et puis, ce qui est dangereux, c'est que la Bible nous fait savoir, par cette bouche, tu bénis Dieu. Par la même bouche, et tu maudis ton frère, et ta sœur et ton prochain. Tu parles du mal des uns comme des autres, effectivement. J'ai prié que Dieu nous aide. Et souvent, on se croit tous qu'on a tous dans notre droit. Vous voyez comme l'exemple qui nous est donné tout à fait simple pour que nous comprenions les choses. Hein. L'exemple toujours avec une brebis. Vous la voyez, non? À la brebis, il y a quelque chose de particulier, c'est la laine. Cette laine-là, elle appartient à elle-même. Et veut en faire ce qu'elle veut en faire, c'est son droit, c'est sa laine. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un certain moment, la brebis se laisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On la tond. On prend tout ce qu'elle a, effectivement, pour servir à quelqu'un d'autre. La laine, ça vous sert, non? Donc, c'est pas vous qui produisez la laine. Mais c'est la brebis qui produit la laine. Et elle se laisse tondre, effectivement, pour qu'on ne revendique pas. C'est à moi cette laine, il ne faut pas la prendre, parce qu'elle a le droit de ne pas le faire. Mais non. Il dit, je vous la laisse et vous prenez. Prenez, il n'y a pas de problème. Puis, notre exemple, si vous avez quand même, des arbres quand même fruitiers, avez-vous vu, votre attention, avez-vous vu un arbre fruitier qui mange ses propres fruits? Un mangue qui se met à pouvoir manger ses mangues lui-même. Un premier qui mange une pomme lui-même, il ne savait pas. Vous avez déjà vu ça? Non. Et les fruits, c'est pour qui que l'arbre produit les fruits? Il ne va pas manger. Ah, je suis un bon mangue, hein? Je produis des mangues sucrées. Je suis un bon pommier, par exemple. Mes pommes sont sucrées qui se vendent lui-même comme ça. Jamais. Mais qui dit que le pommier est sucré? Mais c'est toi! Quand tu manges, il dit, oh là 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 là, c'est pommier! Quand tu manges, mais c'est manguier! Mais toi, tes lèvres à toi tout le temps, moi, frère, j'ai fait, moi, ceci et cela, partout, on doit savoir! Alors, on doit comprendre qu'effectivement, que le fruit que tu produis, il est mauvais! Parce que tu l'as goûté toi-même! Donc, il ne sert pas aux autres! Qu'un autre te loue et non ta bouche à toi. Donc il faut qu'on comprenne que ce qu'un arbre produit comme fruit, ce n'est pas pour lui. C'est pour les autres. Alors quel est le bien que tu fais pour les autres? Voilà pourquoi je voulais toujours répéter ici. Le Seigneur a dit, mais quand il a dit, mais venez vous qu'être béni, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Vous nous donnez à manger.
t'avons vu, ni effectivement où t'avons-nous vêtu. Il ne se souvenait même pas, en fait. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. C'est les œuvres que Dieu nous a données d'avance, et ça sort. Mais vous, non. Parce que vous vous comparez toujours à l'autre. Moi, j'ai fait, lui, il ne fait pas, donc il n'est pas. Alors, c'est que quand tu vois ce que toi, tu fais, c'est qu'il y a vraiment un sérieux problème. Souvenez-vous, j'ai jamais vu un pommier qui parle que moi. Moi, pommier, je donne le plus, tandis que l'oranger, là-bas, il ne donne rien. Moi, je donne des bons fruits. Jamais. C'est nous, en passant, quand on goûte. Quand j'ai goûté ça avec les pommes qui est là-bas, celui-ci, il est meilleur. C'est ce que vous faites, non? On reconnaîtra, on les reconnaîtra à leurs fruits. Pas à ceux qui rendent témoignage dans la bouche. Non, leurs fruits vont. Vous oubliez souvent cela, vous les mettez comment vous doit faire. Non, non, mais il dit, mais agissez simplement. Vivez seulement ce que vous êtes. Alors les hommes apprécient, disent, c'est pas toi qui dois t'apprécier. Seigneur, j'ai beaucoup prié, maintenant je crois que tout le monde va voir que j'ai beaucoup prié. Mais c'est beaucoup chanté, parce que j'ai beaucoup prié. Non, c'est pas ça. Laissez les hommes. Appréciez, effectivement, parce qu'il y a des gens, quand ils prêchent, effectivement, ils attendent maintenant pour voir les mots. Si vous ne mettez pas, si vous m'obéissez. Non, 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 non. Laissez simplement la parole prêcher. Et c'est aux hommes de pouvoir maintenant. Parce que c'est Dieu qui suit sa parole. Parce que l'arbre ne mange pas ses propres fruits. Ce sont les autres. Il mange et il apprécie, effectivement. Oui, l'arbre, effectivement, aussi. Alors, quand c'est tellement bon, il glorifie Dieu, en fait. D'avoir pu donner au monde, effectivement, qu'il y a un tel arbre qui donne du fruit et qui réjouit le cœur. C'est-à-dire que ta vie à toi réjouisse quelqu'un. Non pas que ta vie à toi fasse pleurer tout le temps quelqu'un. Non, il faut que quand quelqu'un te voit, il avait un souci, alors il est consolé. Tu passes quelque part, tu apportes la paix aux gens. Ils vont dire, Seigneur, merci que tu nous as donné un tel frère. Merci que tu nous as donné une telle soeur, effectivement. Parce que la soeur, les frères ne réalisent pas sa mère. C'est leur vie, en fait. Alors nous disons, vous demandez, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Qu'il est méchant. Aïe, 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 abandonne sa voie. Parce que pendant le temps que l'Éternel se trouve, effectivement, oh, il y a cette grâce pour que la méchanceté soit disparue. Même si tu étais mauvais n'importe comment, il peut te rendre bon et meilleur et appréciable par les hommes. Pendant qu'il se trouve. Pourquoi? Parce qu'il a son vent à la main. C'est celui qui change les hommes. Jésus, mon sauveur, arrête tes pas à ma voix en bénissant d'autres maîtres. Ne m'oubliez pas. Oui, parce qu'il est en train de passer. Si Bartimée avait raté. Oui. Mais il n'a pas manqué ces jours-là. Quand il savait, même s'il ne voyait pas. Il dit, mais qu'est-ce donc, parce que, où sont les gens, les pas, effectivement, bougé, mais qu'est-ce qui se passe? Les prophètes de Nazareth, il dit, qui ça? C'est comme ça qu'il s'est élevé, là, crié, dit, ceci est mon jour. Il a crié, fils de David. Ne passe pas outre. Ah, je vais saisir l'occasion pendant que tu te trouves. Waouh.
que je ne pense pas qu'il est repassé encore sur ce chemin-là où Bartimée. Oh oui, monsieur. La même chose que la femme au père de sang, il passe sur le chemin. Et si je n'arrive, si je ne le fais pas aujourd'hui, demain ce sera trop tard. Parce qu'il ne va pas repasser par ce chemin. Je vais saisir ces moments-là. Tandis que les autres sont dans les festivités qui se disent, bon, c'est un prophète, on va aller voir, effectivement. Ils ne croyaient même pas. Mais il dit, mais moi ici, c'est aussi l'occasion pour moi. C'est mon jour. Il passe, il ne va plus repasser ici. Si je ne saisis pas cette occasion, c'est terminé pour moi. Que je puis toucher simplement. Parce qu'il passait et la foule le pressait pour qu'il ne puisse pas, parce que la foule ne se rendait même pas compte de cette personne qui était là. Oui. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Voilà. C'est comme ça qu'il a. C'est comme ça que vous avez vu aussi, hein, Zachée qui a couru aussi. Parce qu'il passait son chemin. Il est monté sur les sycomores. Ça, c'est les désirs que vous pouvez avoir dans votre cœur, réalisant effectivement aussi le temps, l'occasion, et puis les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, et qui vous a témoigné aussi qu'il est présent, votre cœur. C'est les cris de votre cœur. Zachée avait ses désirs profonds. Je le veux, en fait. C'est pour ça qu'il est monté sous les sycomores. Et comme vous savez, toute la foule était là, qui pouvait faire des éloges, criant, Jésus, ceci, cela, cela. Et Zachée était là, c'est son intérieur. Qu'il désirait tant que ce jour-là ne passe pas pour lui, parce que s'il passait, qu'il allait puiser l'occasion, il n'allait pas avoir l'occasion de pouvoir. Il est monté sur le sycomore. Comme il connaît, il pénètre de loin la pensée des hommes. Il s'est arrêté là. Il dit, Zachée, descend. Vous voyez, mon frère et ma soeur, dans les Saintes Écritures, on nous montre des points et des événements bien précis pour nous montrer quelque chose. Que ce que le Seigneur nous dit est vraiment la vérité. Si nous prenons dans Luc au chapitre 17, pardon, je pense que c'est ça. Luc chapitre 17, regardez. Luc au chapitre 17, il nous dit, nous arrivons au verset 26, Luc 17, verset 26, il nous dit quelque chose. Voilà. Ce qui arriva, vous entendez bien, du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Regardez l'écriture, nous. Donc, si nous pouvons être ramenés au temps de Noé, parce qu'il nous a dit bien que ce qui arriva au temps de Noé, n'est-ce pas, arrivera de même au jour du Fils de l'homme, hein? Oh. Puis il nous explique bien, nous dit, voilà. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 6.
pouvons lire à partir du verset, même verset, on va quand même lire un peu. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel donc dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont donc ces héros qui furent donc fameux dans l'Antiquité. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers eux. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici donc la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait donc avec Dieu. Donc, effectivement, que pendant ce temps-là, Dieu était là. Parce que Noé marchait avec Dieu. Et Dieu a donné aussi la parole à Noé, effectivement, pour dire, comme vous le savez, effectivement, parce que il a eu à pouvoir avoir le temps de pouvoir, il est très bien, prêcher pendant longtemps. Dieu invitait donc les hommes, parce que il est tellement un Dieu d'amour. Il a invité des hommes, effectivement, parce que Noé a fait, et puis même les témoins étaient rendus, Noé construisait l'arche sous les yeux des hommes. C'était vraiment un temps favorable. Et quand il prêchait, effectivement, il invitait des gens à se repentir, effectivement, à croire qu'effectivement, que il faut, parce que Dieu va détruire cette eau, cette terre infestée par les eaux. Donc il n'était pas caché, en fait. Et c'était donc ce temps, effectivement, que Dieu a accordé la possibilité aux hommes d'être sauvés, s'ils le désiraient, en fait. Alors, vous allez remarquer une chose. Pendant que Noé construisait l'arche, effectivement, il continuait toujours à prêcher aux hommes. Dieu a donné le temps aux hommes. Aussi longtemps que l'arche n'était pas finie, rien ne s'est passé. Donc pendant ce temps-là, quand Noé prêchait, tout celui qui voulait être sauvé, même s'il avait 1 million ou 2 millions, il allait être sauvé. Comme la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité, ses pensées. Oui. Noé a continué à prêcher et il construisait aussi l'arche, effectivement. Dieu a été patient, mon frère. Parce qu'il fallait couper le bois. Il fallait maintenant commencer à pouvoir maintenant faire des mesures, effectivement, pour que l'arche soit construite, les dimensions de bois, aller dans la forêt, puis revenir, et puis non seulement lier, et puis encore mettre encore du bitume. Ah, les gens les disaient, effectivement, que oh, ça sera toujours pareil, hein, les choses seront toujours la même chose, effectivement, ainsi. De toute façon, il n'y aura rien qui va se passer, alors on a toujours du temps. Jusqu'à ce que Noé a achevé l'arche. Vous allez lire. Et puis Dieu a encore donné le temps, quoi dit. Il a donné le temps les animaux. Donc ça dit que ce n'était pas que dans la nuit et puis un petit animal qui vient. Non, dans la journée. Donc les hommes avaient l'occasion de voir qu'effectivement, que ici, c'était un phénomène surnaturel. Jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire que même si tu étais quand même, dis-moi, bon, je suis affecté par la qualité, mais quand même tu vois quelque chose de surnaturel.
Les animaux, deux par deux, un couple qui monte. Et qui sort de la forêt, qui va où cette main? Mais qui monte vers, aller vers. Et même si on dirait que cet homme était un fou. Mais un fou va appeler les animaux. C'est ça le grand problème, mon frère et ma soeur. Même si à ton moment est vraiment aveuglé, on dit non, en tout cas, mais quelque part, il y a quand même ta conscience. Dit, mais non, c'est quand même pas possible. Il faut que tu reconnaisses, ça, c'est la vérité, mais que tu la rejettes. Bien sûr que oui. Donc, deux par deux qui avançaient, mon frère. Même si tu étais même un aveugle, le père dit, mais tout, tu as dit, mais tu ne vois pas, mais là, parce que tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, mais on voit des animaux, deux par deux, mais qui vont où? Mais en ligne, qui vont vers l'arche. Il dit, mais c'est pas possible, mais qui est là-bas? Mais c'est Noé, Noé qui nous présente, mais bien sûr. Les hommes n'ont pas accepté, mais on voit les animaux qui obéissent, monsieur, madame. Non, c'est merveilleux, frères et sœurs, ici. C'est extraordinaire. Quand vous refusez d'entendre la prédication, les animaux et les arbres entendront, mon frère. Bien sûr, monsieur, madame. Dieu est resté toujours patient. Jusqu'à ce que même la tortue qui est tellement silente, je donne un exemple. Hein, elle devait avancer. Dieu attendait que cette tortue-là qui avance, hein, avec la femelle qui avance, qui se suit. Non, Dieu est grand. Petit, il a attendu tout ça jusqu'à ce que ça rentre à l'arche. T'as ça, même les pangolins, je sais pas moi où, les paresseux, vous connaissez les paresseux qui montent là, je donne un exemple. Hein, c'est fait comme ça. Et puis encore un peu. Pour monter à l'arbre. Donc, vous avez déjà vu ça, non? Et paresseux. Donc, on a même attendu que ça puisse. Juste, donc Dieu attendait. Et l'homme voyait ça, mon frère. On ne peut pas condamner Dieu. Il est vraiment juste. Il est vraiment patient, mon frère. À ton endroit, à mon endroit. Non, il faut le louer, mon frère. Même ma méchanceté, mon mauvais côté, Dieu reste patient. Il dit, je te parle, sors de là. Sors de là, oui, monsieur. Personne ne peut blâmer Dieu, mon frère. C'est pour ça qu'on nous dit que le Seigneur, notre Dieu, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience envers nous, afin qu'aucun ne périsse. Ne partez plus avec votre orgueil là, votre tout suffisant, effectivement, que j'ai fait, vous n'avez rien fait. Ne dites jamais que je vais partir parce que j'ai le mérite, parce que j'ai chanté, parce que j'ai les loué, tu ne mérites rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que c'est par la grâce de Dieu. Et puis il nous éclaire encore, disant, sa grâce a fait. Je vais quand même le lire avec vous, vous pouvez voir, hein, et ce qu'il exprime cela dans. Nous allons le voir effectivement aussi dans les Corinthiens au chapitre 15, je suppose que c'est cela. Et ça, c'est ça. Corinthiens au chapitre 15, signifie. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ici. Au verset, chapitre 15, nous disons à partir du verset. Attendez, oui, si je peux lire. Mais je vais quand même lire un peu tout. Verset 15. Verset 3, pardon, verset 3, 15, chapitre 1, 1 Corinthiens 15, verset 3, dit, mais je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon donc les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois,
dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont donc morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église des dieux. Écoutez bien, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois. Mais quoi? La grâce de Dieu qui est donc... voilà. Donc je peux avoir fait beaucoup, mais ce n'est pas moi. Voici ceux qui sont de Dieu reconnaissent que ce n'est pas par ma force que je peux faire tout ce que j'ai fait. Parce qu'autrement, l'orgueil te saisirait. Moi, je suis moi. Quand le moi vient maintenant, Dieu n'est plus là-dedans. Ouais. C'est cela, mon frère et ma soeur. Ce que Dieu veut que toi et moi, nous puissions arriver à pouvoir saisir et comprendre ce qui nous ont précédé, que Dieu a utilisé, effectivement, ont donc compris. C'est ainsi que par les écrits, en fait. Vous voyez, comme la Bible le fait savoir, un homme qui a été envoyé par Dieu lorsqu'il prêche ou qu'il parle, faut parler de Dieu, en fait, c'est sa propre vie qu'il réalise effectivement ce qu'il en est avec lui. Parce qu'on ne peut pas prêcher la parole de Dieu si on n'est pas corps et âme là-dedans. Sinon, on est étranger, en fait. Différent. La parole est là, mais toi, tu es là, mais tu la prêches. Non, il faut que ce soit aussi une partie. Donc, tu as vécu ces choses. C'est pour ça qu'ils prêchent, là avec une fermeté, une assurance, parce qu'ils savent effectivement ce qu'il en est. Ils sont une partie là. C'est pas qu'ils ont fabriqué, mais en fait, c'est pour ça que les épreuves, les situations difficiles, Dieu travaille chacun de vous tous pour qu'on puisse arriver à pouvoir, quand vous rendez témoignage à quelqu'un de ce que Dieu est capable, ce que vous l'avez expérimenté, cette capacité en réalité aussi. Et nous, ça ne peut pas être différent parce que si on parle de Jésus alors qu'on ne le connaît pas, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on dit. Alors si on ne sait pas tellement très bien ce qu'on dit, on ne sait pas convaincre la personne, donner l'assurance. On sera comme les prêtres catholiques qui ont fait des études dans les séminaires et tout ça, et qui font des hominos mobis comme effectivement ainsi aller avec vous aussi. Vous voyez, quand vous chantez, je chante la croix, car c'est la victoire. Puissance de Dieu, moi qui possible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par là, j'étais esclave du péché. Il a fait, il m'a libéré. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris comment ils ont chanté? C'est-à-dire qu'en fait, que toi, la personne qui a composé cela, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas des formules qu'on est allé copier quelque part. Donc cette personne, non. Il a réalisé, effectivement. Vous savez, j'ai eu à pouvoir lire. C'est lui qui a composé le cantique ici, l'amour de Dieu. C'était en 1875, quelque part comme cela. Cet homme était quelque part, effectivement, je crois que dans un lieu où il était, je crois, dans un bâtiment. Et puis, il regardait donc par la fenêtre. Il a vu donc les nuages, effectivement aussi, qui ont commencé à pouvoir gronder, tourner, effectivement. Il a vu la lumière, il a dit que son intérieur a vibré, a été touché de voir, effectivement, ce que ce Dieu était capable, ce qui se passe, effectivement, dans la nature et l'océan.
C'est pour te dire, mais Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. C'est-à-dire qu'il a expérimenté ces choses. Il était dedans. Ce n'était pas des formules qu'il a répétées, effectivement, non. Il était donc dedans. Et surtout, vous devez suivre les paroles, effectivement, non. La manière dont il dit, effectivement, « De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. » Mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Comme par les bois, forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avait son nom de livres et filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu, et tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon frère et ma soeur, ce ne sont pas des répétitions, mon frère. C'est la vie de la personne. Il y a dedans. C'est ça que Dieu attend de toi. Que tu vives effectivement la chose, que tu l'adores effectivement, que ça monte de ton intérieur à toi. C'est pourquoi l'apôtre dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Lève-nous, nous allons prier. Oh, tendre Père sauveur, nous voulons vraiment te dire merci. Et tu vois nos cœurs, tu vois nos âmes, Seigneur Jésus. Et nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons appris que c'est vraiment le temps qui nous est donc favorable, mon sauveur. Oh, tu as la capacité de changer, Père Tout-Puissant Dieu, la peau d'un léopard, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, la nature d'un être humain, Seigneur, pour que ça soit une nature divine, mon sauveur, pour que ça soit un fils de Dieu, mon roi, afin que tout ce qui est d'un fils de Dieu se trouve dans son intérieur, mon roi. Loué soit ton Seigneur, mon roi. Seigneur, tu es le Dieu qui a déployé tout le moyen nécessaire pour faire de nous un peuple, mon sauveur. Aide-nous, Père. Tu n'as pas fait que nous soyons des perroquets, Seigneur, mais que nous puissions être vraiment vrais, Père Saint-Dieu. Corps et âme, esprit, bénémoine, Père Tout-Puissant. Et tant dans la chose, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous en parlons, Père Tout-Puissant, avec un langage spirituel, utilisant un langage surnaturel et spirituel, mais même pas sans Dieu, parce que ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme que tu nous as révélées, Père Tout-Puissant Dieu, et que tu as accordé la grâce que nous puissions vraiment y participer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est l'évangile, c'est la vie, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Parce que tu es devenu parole, mon bien-aimé Père Tout-Puissant Dieu. Et la parole faite chère, tu es parole et tu es cher, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci. Oh, gloire à toi. La parole a pu s'exprimer elle-même, mon sauveur. Jésus est vraiment Dieu. Il est vraiment la parole, mon bénémoine, Père Tout-Puissant. Gloire et honneur à toi. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Louange et honneur à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Aide-nous, Père Saint-Dieu, car ta parole pénètre l'âme, bénémoine, Père Tout-Puissant Dieu. Comme tu as dit, comme une épée à deux tranchants, pénétrant, séparant, jointure et moelle, sonde les secrets des cœurs, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment être vrais, Seigneur Dieu.
parce que tu vis, mon roi. La parole, elle est efficace, mon Seigneur. Et je te suis vraiment reconnaissant. Tiens-nous par ta main, Seigneur Dieu. Garde ton peuple, mon roi, sous ta puissante main. Que ton ange béni, Père Saint-Dieu, qui protège et qui conduit. Garde, mon bénévole Père Saint-Dieu, soutiens. C'est à toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Ils sont à toi. Protège, mon bénévole Père Saint-Dieu. Que tu veilles sur ta semence à toi. Mon âme, tu loues et tu glorifies, mon sauveur. Garde-le, mon bénévole Père Saint-Dieu. Ils sont donc à toi, nos jeunes filles. Nos jeunes sœurs, mon bénévole Père Saint-Dieu, nos frères et sœurs. Souviens-toi de ceux qui sont aussi à l'interprète aujourd'hui. Bénis notre sœur Marie-Louise, mon roi. Qu'elle soit bénie, Père Saint-Dieu, pour la consécration qu'elle a. Seigneur, que tu la soutiennes, que tu la fortifies. Même aussi pour mon frère Samuel, Père Saint-Dieu, et notre sœur Mary, et tous ceux qui interprètent aussi, Seigneur Jésus. Souviens-toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni, notre sœur Alice, Père Saint-Dieu. Loïs aussi, Père Saint-Dieu. Tous ceux qui travaillent. Toi, bénévole Père Saint-Dieu, je te remercie. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu qui nous fortifie, mon roi. Et accorde la grâce pour tous ces enfants, bénévole Père Saint-Dieu. Nos jeunes frères, nos jeunes sœurs et tes serviteurs comme tes servantes aussi, mon sauveur. Nous avons besoin de toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Que tous ensemble, nous soyons de commun accord et ayant le même esprit, bénévole Père Saint-Dieu, Père. Pouvoir te servir encore, mon sauveur. Agis encore, Saint-Esprit. Béni et puissant, mon roi. Toi qui es l'étoile intérieure, toi qui possède, Père Saint-Dieu, tous ceux qui sont à toi, mon sauveur. Merci pour ce moment, béni, Père Saint-Dieu. La grâce de pouvoir être à toi. Tous ceux qui sont venus de loin comme de près, Seigneur Dieu, qui ont pris le moyen de transport, mon béni, Père Saint-Dieu, que tu le bénisses. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, mon roi. Oh Dieu, bénémoine, Père Saint-Dieu, tu le connais mieux que nous-mêmes, mon bénémoine, Père Saint. Comme ta parole a dit, Père du Saint, dans les psaumes. Et la parole n'est pas encore sous moi, là, bénémoine, tu la connais entièrement, oh Jésus, mon roi. Ta parole est la vérité, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et là, la puissance, bénémoine, Père Dieu. Elle est faite, Seigneur. Elle transforme, bénémoine, Père du Saint-Dieu. Et nous arrache, Père du Saint-Dieu, de tout ce qui n'est pas bon. Merci, Seigneur. C'est vraiment un jour de grâce. Un jour merveilleux, Seigneur, que tu nous donnes, mon roi. Aide-nous encore, mon bénévole Père, à prendre conscience, mon bénévole Père Saint-Dieu, à être secoué, mon bénévole Père Saint-Dieu, à sortir de nos habitudes, d'être en train de tous les jours, mon roi, mais à vivre vraiment, être vrai. Tu donnes toujours cette occasion à l'homme, mon bénévole Père Saint-Dieu, de pouvoir réellement vivre pour toi, mon Seigneur. Merci, merci Père, merci toi qui nettoie, toi qui agis, toi qui secours, toi qui soutiens, mon sauveur béni. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Pardonne, pardonne encore mon sauveur, agis mon sauveur béni. Remplis mon bénévole Père Saint-Dieu, c'est que nous avons besoin de toi, c'est être vraiment identifié à toi, Seigneur. Le vrai, c'est toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Et tu le fais, mon bénévole Père Saint-Dieu. Fais descendre le vrai dans l'intérieur, mon bénévole Père Saint-Dieu. À notre âme, nous croyons en Sauveur. Béni soit l'Éternel, notre Sauveur et notre Dieu. Le Jésus de la Bible, mon roi, c'est lui qui accomplit encore de merveilles. Qui fait, Père Saint-Dieu, ce qu'un homme ne peut pas faire. Mon Dieu, aucun homme ne peut changer un homme, mon sauveur. Oh, ce n'est que toi qui peux le faire. Merci que le Saint-Esprit prend le contrôle, qu'il agisse encore davantage, mon roi, qu'il récure, Père Saint-Dieu, qu'il réture ce qui est de notre moi, afin que nous puissions arriver à pouvoir faire ce que toi tu veux, Seigneur. Pardonne, pardonne, mon roi. Et soutiens et ramène-nous encore, mon bénévole Père Saint-Dieu, comme au jour d'autrefois, que nous puissions t'offrir un culte et que tu sois vraiment agréable, mon roi. Tu fais ton travail d'achèvement, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tu parachèves ton œuvre à toi, mon sauveur. Et voici ton peuple, mon Seigneur. Merci, Père. Merci pour ce jour, mon bénévole Père Tibissant. Que l'épée qui est épée par deux tranchants, mon bénévole Père Tibissant, pénètre, mon roi. Et agisse encore davantage, mon roi.
déraciner, Seigneur. Oh, pour déraciner davantage les racines qui ont poussé, Seigneur. Qui ont poussé à ce que, Père de Dieu, nous puissions plus faire la différence, Père Saint-Dieu, mais que nous prenons. Seigneur, nous voulons simplement prendre ce que toi, tu nous donnes, Seigneur. Agis, mon sauveur. Merci. Merci. Merci, sauveur. Merci encore pour ce jour. Pardonne-nous et soutiens-nous encore, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Éclaire-nous, nous serons éclairés. Oui. Merci. Merci, notre Père. C'est le cri de notre cœur, c'est le désir profond de notre âme, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et nous voulons te suivre, Père. Merci. Merci. Merci, Sauveur, merci. Pardonne-nous. Aide-nous. Soutiens. Pardonne. Pardonne, mon Sauveur. Oh Dieu. Tu veux vraiment que la vérité soit au fond de notre cœur et de notre âme, mon Sauveur. Être dans ta présence, mon Sauveur. Merci. Dans ta bonté, Seigneur Jésus. Merci, Sauveur béni. Merci encore, mon Jésus. Tu es le Dieu juste. Merci. Merci, mon Seigneur. Oui, Père. Tu as la capacité de changer mon corps, mon roi. D'éliminer tout ce qui n'est pas ta gloire, mon bénémoine, Père Saint. Tu l'as fait, Seigneur. Aide mes jeunes sœurs dans la chorale, mon roi. Seigneur, la fille de Christ, la crainte, le respect, Seigneur Jésus, et tout ce qui est, tout ce qui doit être, mon sauveur. Je te remercie encore, mon sauveur. Tu es Dieu, mon roi. Merci. Merci, sauveur. Merci. Merci, éternel, notre Seigneur. Tu es vraiment magnifique pour nous. Oui, nous te remercions. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Oh oui, Père. Agis. Agis encore, mon sauveur. Garde le troupeau de ton pâturage. Dans ta main, conduis mon bénémoine, Père Tibisson. Que cette main bénie conduit nos frères et nos sœurs qui sont en connexion. Dans différentes villes et des pays où elles se trouvent, mon Seigneur Jésus, tu connais tes brebis à toi, comme tu l'as dit. Mes brebis entendront ma voix et ne suivront pas la voix des étrangers. Dans le contraire où elles se trouvent, Seigneur, il y a tellement des églises, il y a tellement des attraits, Seigneur Jésus. Mais ils n'ont pas voulu aller de ce côté-là, pas parce que c'est par leur force, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, mais parce que tu le connaissais, Seigneur. Ce que tu fais tellement extraordinairement merveilleux, Seigneur. Nos yeux regardent, mais nos yeux ne perçoivent pas. Mais tu fais vraiment une œuvre extraordinaire. Bénis nos frères, bénis nos sœurs sur les îles lointaines, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Sur des pays, Père de Bissant Dieu, lointaines, mon bénémoine Père. Mais qui sont accrochés avec obéissance, avec respect, avec consécration, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Parce qu'ils reconnaissent que c'est toi qui es Dieu et c'est toi qui conduis encore. Garde ton peuple, mon roi. Merci. Merci, Sauveur. Gloire à toi. Oh, Dieu du ciel, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci encore, mon roi. Merci, ô éternel, notre Dieu. Consolé par toi, mon Sauveur. Merci. Alléluia. Merci, tu nous soutiens. Je te remercie, Saint-Esprit d'amour. Merci d'amour. Merci, mon Dieu. Tu es vraiment Dieu, mon roi. Merci. Merci, Père. Merci. Gloire à toi. Tu transportes nos cœurs, mon roi. Que personne ne puisse être insensible, mon roi. Ton amour à toi, ton approche vers nous, Père Saint-Dieu. Nous avons nos cœurs brisés, réalisant, Seigneur, Père Saint-Dieu, ce que toi tu attends de nos pères, alors que nous sommes vraiment des hommes charnels avec un cœur de roi. Et tu veux que nous puissions avoir un cœur de chair, mon sauveur. Oh Jésus, mon roi, ton amour est tellement si grand.
Alléluia. Oh. Sur cette terre dans laquelle nous devions naître, Père Saint-Dieu, tu l'aurais donné. Mais ce sont des paroles-là que tu nous as données, Seigneur Jésus. Malgré leurs défauts, malgré leurs difficultés, Seigneur, ce sont ceux-là que tu nous as donnés. Nous t'en remercions aussi pour cet amour béni, Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom pour cela, Père. Que notre amour puisse aussi s'élever vers toi pour les enfants que tu nous as donnés, nos petits-enfants, famille et tout ce que tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu, et ce que tu fais encore pour nous dans ce bas monde où nous sommes, Seigneur. Ah, nous voulons respecter ton choix, toi, et te dire merci. Merci, Père Dieu, aide-nous simplement à accomplir ta volonté à toi et simplement à regarder, te regarder toi, malgré ce qui peut se passer autour de nous. Sois la force pour mon frère, sois l'appui aussi pour ma soeur, le soutien et les secours pour nos enfants, nos petits-enfants, Sauveur béni. Nous te disons merci pour tout, Père. Gloire à toi. Alors que je vais prendre l'avion, que je vais partir, mon Sauveur,
Je te prie de garder ce peuple-là sous ta conduite, main, bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton ange, Père Saint-Dieu, qui soutient, qui les garde, mon bien-aimé Père Tubissant, qu'aucune souillure ne puisse les approcher, Seigneur. Que seule ta parole à toi fasse son travail à l'intérieur, mon roi. Bénis tous les bien-aimés frères qui vont rester avec eux, Seigneur Jésus. Que tu le soutiennes, qu'ils soient toujours d'un commun accord, ayant même esprit, même âme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton Esprit Saint le conduise encore davantage. Que l'ordre soit de l'esprit. Que la paix soit, bien-aimé Père Saint-Dieu. L'humilité, la crainte, bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, que tu gardes ton peuple, Seigneur. C'est entre tes mains, Seigneur, que je laisse et les confie aussi, sois béni. Et tous ceux qui sont aussi en connexion dans chaque endroit, Seigneur Dieu, ces lieux et aussi leur endroit et partout où ta parole à toi ira, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'ils soient tous aussi bénis pour voir, pour tout le besoin, Seigneur. Protège, sois toujours le médecin qui guérit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, le soutien et le secours, bien-aimé Père Saint-Dieu, dans tous les lieux de travail, partout, ils seront dans leur foyer. Je t'en supplie qu'ils soient vraiment en paix, Seigneur. Sois béni et sois glorifié pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. À toi donc la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous te disons merci pour tous les bienfaits que nous avons apportés encore en ce jour. Nous partons avec la paix dans notre cœur, la certitude que tu as été là, que tu es toujours là, Seigneur. Oh, tu as aussi touché notre cœur et nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Bénis notre frère Christian, notre précieux frère Jonas, ainsi que notre frère José, aussi notre frère aussi, Père Vincent Rosario, et notre frère Père Vincent Zaché, soutiens-les, fortifie-les, protège, Père Saint-Dieu, et tous ceux qui travaillent en cet endroit, tous ceux qui jouent aux instruments, Seigneur, que ton Esprit Saint les conduise et les garde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que l'ordre y soit toujours. Le respect de chacun, Seigneur Jésus, les uns envers les autres, bien-aimé Père Vincent, je te demande cette grâce. Bénis aussi, Père Tubissant, les réunions qui se tiendront là-bas. Tu vois l'attente de ton peuple là-bas aussi, Père Saint-Dieu, depuis ce matin, ils sont là appelés. Mais je sais que tu es celui qui précède là-bas pour disposer le corps, afin que beaucoup d'âmes soient aussi sauvées et ramenées aussi à toi dans l'ordre, bien-aimé Père Saint-Dieu. Bénis tous les frères et les sœurs, Père Tubissant, qui soutiennent cette œuvre, mon roi, par leurs prières, par leurs dons, mon sauveur. Que tu le récompenses dans ta tête, au-delà même de leurs attentes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est par ce moyen aussi que ta parole est apportée aussi loin. Sois béni et sois glorifié. Je te remercie pour cela. Je te glorifie car je t'ai ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain. Merci.
Oh,